Mardi 12 juillet. À 48 heures du défilé, c'est le dernier entraînement pour l'ensemble des troupes à pied rassemblées ce matin sur le site de Satory. À cette occasion, le ministre de la Défense, M. Gérard Longuet, est venu à la rencontre des unités participant au défilé, en particulier des hommes du 7e BCA et du 2e RIMA, tout juste rentrés d'Afghanistan. Une attention toute particulière pour ceux qui, comme vous, revenaient d'Afghanistan. Sécurité totale. J'ai des souvenirs lointains. Ce sont des troupes qui participent à des opérations de paix en Afghanistan qui seront à l'honneur. C'est l'occasion de consolider, d'entretenir le lien entre l'armée et la nation. C'est aussi cette année un hommage rendu au service militaire adapté, qui est une formule développée dans les départements et communautés d'outre-mer, qui permet à des jeunes de trouver plus facilement leur chemin avec l'appui de l'armée. Donc c'est une armée dans sa diversité, dans la richesse des services qu'elle rend à la nation, que l'on observera, qu'on découvrira ou qu'on applaudira le 14 juillet au matin sur les Champs-Élysées. Le ministre a pu ensuite assister à cette répétition générale aux côtés des autorités militaires, dont le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Erastorza, mais aussi de nombreux journalistes. L'idée du général Dary de faire chanter les troupes, en particulier un devoir avec la Légion, c'est formidable. Entre la présence de ces jeunes qui arrivent de Polynésie, des pays, des dom-toms, tout ça, qui apporte un peu de fraîcheur, quoi, le défilé au départ, et puis tous ces hommes qui défilent en chantant, c'est vraiment un spectacle unique. Je trouve que ça va être un 14 juillet unique. J'espère que le soleil sera de la partie. Au terme de cet ultime entraînement, les avis sont positifs et laissent présager un défilé de qualité. Je reste par nature confiant et prudent. Donc de ce que j'ai vu, je dis qu'il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien le 14. Mais le 14, c'est un jour important. C'est un jour important. Ce que je souhaite vraiment pour ce 14 juillet-là, c'est que les Français, par-delà la façon dont se présentent les régiments, aient une conviction qu'ils ont de bons soldats. Rendez-vous donc le 14 juillet sur les Champs-Élysées pour le défilé 2011.